Bienvenue pour cette nouvelle conférence de presse. Pour vous présenter donc une nouvelle arrivée en la personne de Gabriel, brésilien, natif de São Paulo. Il a 4 sélections, malgré son âge déjà, 4 sélections. Il vient nous donner un coup de main et que lui aussi grandisse et qu'on grandisse ensemble, voilà, c'est le but recherché. Começou um pouco difícil, porque eu cheguei numa época que não estava, ao menos tinha enfrentado frio como enfrentei quando cheguei em França. Com o tempo foi melhorando, fui me adaptando, fui bem recebido. Agora eu me sinto melhor, mais adaptado. Estive há 3 para 4 meses em Lille e creio que foi uma experiência boa e estou me sentindo melhor. Agora como se estivesse atuando no Brasil. Não, estive em conversa com Luiz Campos. Eu disse que queria jogar porque eu sei do meu potencial. Ele entrou em conversa com meu agente e decidimos a ser emprestado a outra equipa que eu pudesse jogar e me adaptar a ter bom desempenho nessa época. Não, espero chegar aqui com o propósito de evoluir, de aprender mais e espero poder ajudar o grupo, dar o meu melhor e dar toda a alegria para a torcida. É um campeonato muito forte, competitivo, com grandes equipes. Nada, não será fácil, mas pelo pouco que vi, eu sei da qualidade do elenco, podemos fazer um bom campeonato. Creio que tenho capacidade para jogar, sei do meu potencial e com o tempo vou me adaptando a jogar contra grandes equipes. E eu creio que agora será um grande passo, né, para mim, em busca do meu objetivo, jogando aqui na Europa, atuando na pelo Troyes ou qualquer outra grande equipe. É meu sonho. Il a un profil qui était très intéressant pour nous. Moi, en milieu de saison dernière, pendant l'hiver, bon, dans les projections qu'on faisait avec Luis, j'avais remarqué que Lille avait investi sur un très jeune joueur brésilien, défenseur central gaucher. Et on avait coché un petit peu le nom de Gabriel parce qu'on avait vu qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu à Lille. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est un garçon, c'est un diamant brut. Mais quand je dis brut, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il va falloir être patient avec ce garçon. Il est encore en période d'adaptation. Il n'a pas eu le temps véritablement de finir de s'adapter à Lille, qui change déjà de club. Il arrive à Troyes, il faut qu'il s'installe, il faut qu'il découvre le groupe. Mais il va falloir qu'il travaille les repères, les complicités. Il va falloir qu'il comprenne les attentes du coach par rapport à la hauteur de la ligne, les remontées. Donc il faudra être patient avec ce garçon qui, dès l'entraînement qu'il a pratiqué avec nous, a montré beaucoup de qualités techniques dans la maîtrise de balle, de la puissance dans les duels. Effectivement, il est très fort dans le jeu aérien. Donc voilà, on est très heureux de l'accueillir. Alors bien entendu, il y a quand même de la concurrence à ce poste. Ça nous permet d'envisager la Ligue 1 dans un secteur clé d'une équipe de football de la meilleure des façons. Il faut qu'il s'imprègne du jeu de sa nouvelle équipe et ça ne se fait pas à un claquement de doigts. Donc, mais bon, c'est quelqu'un, un garçon qui a un très très gros potentiel, un potentiel pour jouer au haut niveau. Mais il faut être patient.